Là aujourd'hui, pourquoi il n'y a rien qui fonctionne? Pourquoi on n'arrive plus à aller voter? C'est tellement pathétique de voir cela. Mais les revendications de qui? D'une poignée de personnes tellement déconnectées de la réalité, 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 de la réalité. Nous ne pouvons pas accepter que des gens qui n'ont rien dans le cerveau viennent sur la place de la République donner des leçons à la démocratie française. C'est sans voix, j'ai envie de dire, c'est des gens qui ne vont plus voter parce que finalement voter par défaut, c'est plus une solution. Pour beaucoup d'entre eux, je les sens surtout avoir besoin d'un accompagnement pour vraiment comprendre que la solution c'est de trouver un travail tellement loin de la réalité du terrain. C'est que notre pays soit commandé. L'attente des Français. C'est que notre pays soit commandé. 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 Comme dans toute la France, du debout, c'est surtout de l'échange, du partage, des débats. Donc faire venir justement dans le débat des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de s'exprimer. Tellement loin de la réalité du terrain. J'espère que ça va vraiment faire changer les choses, qu'on va arriver à changer ce système en profondeur. Tellement loin de la réalité du terrain. C'est que notre pays soit commandé. Todos unidos pedimos un cambio, piedra sobre piedra y peldaño a peldaño. Solo poder expresarnos es palabra de honor de nuestro jefe de Estado.